Previously. En tant que monteur, je pense qu'il est de mon devoir de vous dire qu'il n'y aura plus jamais d'épisode de J'ai jamais su lire. J'ai décidé d'arrêter la série, complètement. J'en ai ras le cul. Cam, tu te fous? Je suis sur mon tabinet, là. On va pas tourner une heure. Tu te fous tout le temps de ma gueule, la parole. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Les gens me disent que je sais pas dire non. C'est énorme, Gaston, c'est énorme, je suis super fan. Faut que je te cale dans l'épisode 11, c'est obligé. Yeah. Par contre, c'est tout. Cam? Ouais? T'es pas tout seul? Si. Qu'est-ce que c'est les clapements? Les clapements, c'est, c'est les moustiques. C'est les moustiques. Faut que je te montre, j'ai monté le pré-gène d'épisode 10. Alors on le fait, on lui pète la gueule. Je t'aime. Oh. Est-ce que tu as lu le scénario ? Scénario ? Je comprends pas comment la situation a pu dégénérer comme ça. Pourtant, à la reprise de l'épisode 9, tout se passait super bien. Enfin, la routine, quoi. Bon, regarde, c'est simple. Ça, c'est le scénar, d'accord ? Ça, c'est tes yeux, et normalement, tes yeux parcourent le scénar et comprennent l'histoire. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble ? Ça va. D'une, je sais lire. De deux, je suis désolé, mais la plupart du temps, les images que je reçois, c'est écrit nulle part dans le scénar. Flic ! Ça, tu pourrais le faire. Flic ! Ça part en suspense. Hey ! Attends. Quoi ? Tu attends. Eh ben, c'est super ! Il commence à perdre ses moyens. Je vais prendre un verre d'eau. Le Yuka est en pleine forme, il est magnifique. Oh. Hey, garde du corps. Mais non, regarde. Garde du corps. Bam. Oh, merci. Aïe. Une espèce d'armoire à glace, 2 mètres de haut. Et attends, je me suis foiré dans les... 2 mètres de haut, une tronche de retien. C'est quelque chose ça. 2 mètres de haut, tronche de retien. Espèce de grand mec, 2 mètres de haut, une tronche de retien à peu près. Dans les 2 mètres de haut, une tronche de retien à peu près. Et peut-être pas une tronche de requin, mais il faisait facile 2 mètres. Oh. Comment tu le tiens, c'est bon ça. C'est non. Ouais, je laisse la bouche ouverte. Ouais, pas mal, hein. Ah. Ok, pas mal, hein. Non mais ça c'est pas pareil, ça c'est l'esprit d'équipe, tu vois, c'est l'émulation, ça veut dire que on crée la connerie, ouais. Attends, je crois que je vais péter. Les tournes de Rossini sont bientôt prêts, nous allons pouvoir entamer la dégustation de la coquille. Les tournes de Rossini sont bientôt prêts. Nous allons pouvoir entamer la conversation. Nous allons pouvoir entamer la dégustation de la salade de Saint-Jacques. L'odeur est déjà exquise. Ou divine. Qu'est-ce que je fais? Elle est déjà là. Entrée de champ béni. Oh. Merde. Alors moi, on peut changer Lenny aussi. On respecte la concentration de Lenny, s'il vous plaît. Réunion service. Allez, silence. C'est romantique. Bon, ordre du jour de la réunion, les retards de paiement. Pourquoi tu ris? Action.
carrément, chanteur, c'est un boulot. on le fait, on... C'est la puissance de l'esprit. Ah! On le fait, on lui pète la gueule. Ah non, on y va là, mais bon, ça dépend. Ah! On lui pète les gueules. Ah ouais, allez, on y va là, mais bon. Ah! On le fait, hein, on lui pète les... On y va, mais d'abord... Ah! Ouais, allez, on y va, là. Mais bon... Mais merde... On a qu'à reprendre peut-être juste la réplique au-dessus. Bah c'est un flashback. Ouais. Dans la merde. Bon, moi je veux bien que tu fasses le malin, hein. Mais je regarde les rushs, moi aussi. Ah bon? Oui, oui, et regarde ce sur quoi je suis tombé par hasard. Dans les rushs, regarde. C'est carte, c'est moustache. Je suis turc. Ça sent pas bon, hein. C'est ici, hein. Ça bouge comme ça. Plus on attend, plus on hésite. Valable pour tout, sauf pour Mitch. En même temps, ce serait sûrement pire avec des hésitations. Super, c'est super, ça. Non, c'est sûr. Faut pas laisser empirer les choses. Ça, c'est bruit de porte, ça. Là, faut prendre toujours 45 degrés par rapport à l'angle inverse de la bisectrice. Ah, ich bin ein Türk. Ah, 24-47. Ah, Fif l'Alsace. Ah, ich bin ein großes Fräulein. L'Amérique, je veux la voir. Oh, c'est nulle part. Ça y est pas. Bon, puis on n'enlèvera pas de l'idée que François il serait jamais venu s'il avait lu un truc pareil. Ou alors il est fou. Gips. Gips. Je t'aime. Ouf, oh là là. Chips. Je la regarde. Ouais, je suis pris en traite. Oh non. Ok, d'accord. Ah, quelle journée. J'ai été regardé. Très bien, quelle journée. Une caouette. Mais cela mérite une bonne correction. Tu as raison. Oui, je sais. Chips. Chips. Voilà, et puis aujourd'hui, tout va mal. Je crois que c'est avec Chris que tout a commencé, finalement. Il y a eu des gens qui ont laissé des commentaires disant qu'ils trouvaient son jeu pas naturel. Pas naturel. Faut qu'on m'explique, là. Qu'est-ce que c'est, les commentaires? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que si ça continue comme ça, des histoires, moi je me barre. Attends. Déjà, c'est que quelques commentaires parmi plein de commentaires. Hein. Et c'est que des gens qui n'ont pas compris que à ce moment-là, Chris, il surjoue, mais que c'est fait exprès. Ah, d'accord. C'est tout. Mais qu'est-ce que c'est, les commentaires? C'est quoi? Et les retards? C'est quoi les histoires avec les retards? Tu peux me dire les histoires avec les retards? Qu'est-ce que c'est, les retards? Qu'est-ce que c'est, les retards? Des histoires! Des histoires, des retards! On règle les histoires! Les retards! Les histoires! Qu'est-ce que c'est, les retards? Même les yeux fermés, il m'a fait craquer. C'est incroyable, ça, merde! Tu montes pas du doigt, qu'est-ce que c'est? Il est bourré. Tu montes pas du doigt, qu'est-ce que c'est? Donc, il est. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu montes pas du doigt. Il est. Bah, donc, il est bourré, donc je pense que ça se. Arrête, t'es bourré. On monte pas du doigt, qu'est-ce que c'est? Alors. C'est plus de la soif, c'est de la gourmandise à un moment donné, je veux dire. Parce qu'en fait, il y a.
nos histoires. T'as fait quoi? Je l'ai pas vu, je le casse ton vol. T'as compté ou pas? Ils sont deux. Non. Ils sont deux. Deux histoires. Ils sont deux les histoires. Ah mais en fait ils sont deux histoires. Ils sont deux. T'as compté? Ils sont deux histoires en fait. Donc tu vois, c'est pas grave, c'est juste une mauvaise passe parce que les gens ils ont pas compris à ce moment-là, mais ça ira vachement mieux la prochaine fois. Une mauvaise passe. T'inquiète pas, c'est pas une mauvaise passe et surtout il y aura pas de prochaine fois. Non, mais attends Chris, si je puis me permettre, les grands acteurs, on les reconnaît à l'étendue de leur répertoire. Regarde. Qu'est-ce que c'est les histoires là? Avec la voix qui se barre en couille et tout. Bon, ok, là je suis d'accord, ok. Par contre, moi il y a un truc qu'on m'a toujours pas expliqué, c'est qu'est-ce que c'est les commentaires? Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. C'est ou on arrête les commentaires à balle 2, ou alors moi j'arrête les histoires, point barre. D'accord? Donc là, je me lève, d'accord? Et je vais me faire un petit kawa. Bordel de merde! Non, puis j'ai bien senti qu'il y avait de la tension sur le tournage quand même. Puis la première à être partie en couille, c'est Karine en plus. J'ai pas compris. Oh. Ou alors c'est moi qui suis fou? Tom? Ok, c'est clair. Et crie plus fort. D'accord. Non, puis attends. T'avoueras quand même que les images qu'on vient de voir, c'est pas facile. Et puis, je pense que l'histoire avec Mathieu, c'est ce qui a fait déborder la goutte d'eau. Ok, je suis fou. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas? Ah si, oui, c'est bien. Non mais ça va, fais passer le gueule, je vois bien que ça te plaît pas, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben y'a que j'en ai marre, je joue des rôles d'idiot, c'est tout. Quoi? Ah oui mon gars, je veux dire, même les mecs en convention, c'est les questions qu'ils posent. Pourquoi Mathieu, il fait toujours des rôles d'abruti? Attends, mais Mitch, c'est pas du tout un abruti. Attends, Mitch, il joue soit en caleçon, soit aux chiottes. Mais je peux très bien attendre dehors, hein. Je peux pas te déranger. Non mais maintenant que t'es là, c'est bon, vas-y. Ah la vieille mille. Soit aux chiottes, en caleçon. Non mais sérieux quoi, pour qui tu me prends? Ah, je vois, monsieur commence à avoir des goûts de luxe, monsieur voudrait un rôle plus classe. Jouer dans les toilettes, c'est pas assez bien pour lui, rapport à ses fans, oui, sûrement, hein, c'est ouais. Ça hein. Mais je vais te dire un truc, moi aussi je joue dans les chiottes. Et sûrement mieux que toi. C'est les mémoires d'Osiris. C'est à chier. On se déconcentre pas là. Parce que si tu chies avec ton caldé, c'est un peu sale. Le plus sale n'est pas celui qu'on croit en fait. Mais peut-être, mais ça n'a rien à voir. C'est pas ce qui est prévu dans mon contrat. Contrat? Mais quel contrat? T'as un contrat, toi? Non, parce que attends, il faut voir ce que je suis obligé de faire avec tes conneries. Ah, c'est très technique, hein. Vous avez assisté à quelque chose que vous ne verrez pas tous les jours. La confection de la coquille anti-je monte ma bite. Oh, j'espère que t'es content de tes poils. Et hop, je bloque. Regarde. Et tu veux je bloque derrière. Tu connaissais le surfeur d'argent? Oh, cela non. Oh non, cela non. Ah ouh, la petite épilation qui va venir là. Ah mais moi j'avais anticipé mon gars. Ouais. Je suis déjà rasé là. Bon, bah tu sais quoi l'épisode 11? Eh bah ce sera le dernier où on verra ta grosse gueule de snob. Sauf que t'oublies un truc mon gars, c'est que sans moi, ta série, c'est de la merde. À la fin de l'épisode 11, la séquence dans la rue, Mitch y crève. Ça lui fera la bite. Sauf que moi je sais pas comment faire mais je veux pas qu'il meure Mitch. J'ai un personnage d'une complexité hors du commun. Pas vrai Gaston? Mais si, grave. Cam? Oui? J'ai un cadeau pour toi. Ah cool. Tiens, c'est la liste des faux raccords de la série. C'est Lucie qui me les a filés. Tu peux lui dire merci? Mais merci Lucie. Et encore bravo surtout. Eh ouais, je suis dans ta tête maintenant. Je suis un canard qui traîne en slip.
Bibar dans un appartement. Mais les gens me disent que j'ai pas de balls. Ouais, les gens me disent que j'ai pas de balls. Et les gens me disent que je sais pas dire non. Et ils ont raison. T'as trouvé une musique pour cette séquence? Intrication, résonance, électromagnétisme de Bose. Je suis en passe de créer la première théorie psychoquantique, la théorie des Bose.